Le meurtre d'Anaëlle, tué par un policier à bout portant le 27 juin 2023 à Nanterre, a mis de nouveau la lumière sur ce qui doit cesser. Le racisme systémique, les violences policières et les inégalités sociales qui se creusent et encouragent la politique de Macron. Nous devons briser le silence. Il a trop duré. Ce rassemblement au Cérouard contre le racisme systémique, pour les libertés publiques et contre les violences policières. Vu que je tiens le crachoir, je vais commencer avec la première prise de parole. Et après, c'est micro ouvert. Toutes les personnes qui ont des choses à venir nous partager, elles sont invitées à venir nous les partager. Voilà, je m'appelle Sand, j'ai 51 ans. Je suis née à Alger de parents français et on m'a emmerdée toute ma vie avec mon lieu de naissance. Quand je suis rentrée en France en 76, les petits franco-français bien nés en France me jetaient des cailloux sur le chemin de l'école en m'insultant sur mon lieu de naissance. Toute ma vie, les forces de l'ordre ou les officiers d'état civil ont remis en cause ma nationalité au point que je ne me sens ni d'ici ni de là-bas. Cette fracture initiale et non choisie dans ma vie fait que je me suis toujours sentie plus à l'aise avec les parias de la société, ceux que les forces de l'ordre observent souvent avec mépris et un regard jugeant, ceux qui savent toujours où sont les forces de l'ordre parce qu'elles sont un danger pour nous. Un danger dans mon lieu de vie quand j'habitais dans un quartier et que les forces de l'ordre faisaient des descentes tous les mercredis à 6h du matin, jetant des femmes avec des enfants en bas âge pleurant dans les escaliers pendant la fouille de leur logement. C'est les forces de l'ordre qui ont appris à mes enfants qu'ils avaient des pratiques discriminantes en fouillant les appartements de noirs et en ne fouillant jamais notre appartement de blanc. C'est les forces de l'ordre qui ont terrorisé ma fille en rentrant un soir de l'école pendant une de leurs interventions tellement ils étaient brutaux, au point d'avoir dû retrouver ma fille pratiquement cachée dans la gaine technique. Un danger dans la musique que j'écoute. Quand on passait des nuits entières à les éviter pour simplement poser un son loin de tout et faire la fête gratuitement, nous, les parias qui n'avons pas le droit d'aller en boîte de nuit. Les forces de l'ordre nous frappent, nous menacent et parfois nous tuent pour de la musique, pour de la fête libre. Et si rien n'arrête un peuple qui danse, à quel prix ont-ils arrêté Steve et les teufeurs de Redon ou de Lyon? Un danger dans mes convictions personnelles. Quand je mets un gilet jaune pour la justice sociale, pour la justice fiscale et pour la justice climatique. Une répression inédite qui s'inscrit dans l'histoire et dont désormais chacun se réclame, alors que pourtant nous étions des parias. Les gilets jaunes, en chiffres, c'est 992 signalements à l'IGPN, 1428 lancés de grenades GLI F4, 13460 tirs de LBD, 4 décès. 2500 blessés, 353 blessures à la tête, 30 éborgnés, 6 mains arrachées, 10 000 gardes à vue, 3169 manifestants condamnés, dont je fais partie, et 400 peines de prison ferme avec incarcération immédiate, dont ont fait partie plusieurs de mes proches. Un danger pour l'avenir de mes enfants. Quand je vais à Sainte-Soline encercler un trou vide et que pendant 2 heures, nous sommes soumis à des tirs nourris qui nous font subir plus d'une explosion toutes les 2 secondes.
Personne ne peut imaginer les scènes de guerre que nous avons subies à Sainte-Soline. Même moi, parce que mon esprit a oublié, censuré ses souvenirs. Un danger pour l'avenir de l'humain quand je vais à l'Assemblée générale de Total et que j'avance dans les gaz avec mes camarades en pleurant, en meurvant, en gerbant. Demain, un avenir aussi sombre continuera à se déployer devant nous. Et demain, il nous faudra rester unis et solidaires face à leur répression, face à leur violence. Demain, il faudra soutenir ceux et celles d'entre nous qui recevront des assignations à résidence pour protéger les Jeux Olympiques des riches. Demain, il faudra soutenir ceux et celles d'entre nous qui auront des procès pour avoir tenté de faire entendre une autre voix. Demain, encore, il faudra faire cause commune contre les violences policières et le racisme systémique. C'est difficile de passer après un témoignage comme celui-ci. Donc moi, j'interviens au nom du PCF Auxerre. Vous savez qu'au niveau national, le PC n'a pas appelé au rassemblement, mais nous, dans Lyon, nous avons décidé de participer aux trois rassemblements économiques. Militants communistes de Lyon, nous avons décidé lors de notre comité départemental du 8 septembre de participer aux rassemblements unitaires qui se sont tenus ce matin à Avallon et à Sens et ce soir à Auxerre. Après un week-end passé à la fête de l'humanité, au cours duquel j'ai assisté à plusieurs débats, ramené des tas de brochures que je n'ai pas encore toutes lues, rencontré des militants associatifs, syndicaux, politiques, discuter au stand de la Fédé de Lyon avec des piliers de bar et des mangeurs d'escargots, je suis persuadée que nous avons raison d'être là, tous ensemble, ce 23 septembre, pour réclamer l'arrêt des violences policières. Oui, des policiers, pas tous, mais des policiers, violentes et même tuent, des manifestants, des conducteurs automobiles ou de scooters, des jeunes, des syndicalistes, des gilets jaunes. Cette situation est d'autant plus inquiétante que, comme le rappelle le tract unitaire d'appel au rassemblement d'aujourd'hui, l'institution policière paraît hors de contrôle du pouvoir politique. Souvenons-nous des déclarations factieuses de certains syndicats de policiers suite au meurtre de Naël, du soutien qu'ils ont reçu du préfet de police. Tout cela sans aucune réaction du pouvoir macroniste. Il oublie, dit pardon ! Exact. Et oui aussi, après ce super week-end passé à la fête de l'humain, je suis persuadée que nous avons raison d'être là, tous ensemble, ce 23 septembre, pour réclamer l'éradication du racisme systémique. Oui, le racisme est utilisé par le capital comme une arme contre tous ceux, ouvriers, employés, techniciens, cadres, commerçants et artisans, petits agriculteurs, retraités, jeunes, contre tous ceux qui n'ont que leur force de travail à louer ou à mettre en branle, pour tirer un revenu à peine suffisant à satisfaire leurs besoins essentiels. Ayons bien conscience que pendant que ceux-là se disputent sur le sort à réserver à un plus bronzé qu'eux, ou à un qui n'est pas né ici, la Macronie, avec la bénédiction du Rassemblement national, rogne les droits de tous et laisse le capital se goinfrer toujours plus. Le racisme est une arme de division massive que nous devons éliminer si nous croyons au lendemain qui chante, ou aux jours heureux, comme on dit dans mon parti. Et oui, après les débats riches en arguments et en démonstrations de la fête de l'humain le week-end dernier, je suis persuadée que nous avons raison d'être là, tous ensemble, ce 23 septembre, pour dire « Nos libertés publiques sont en danger ». Oui, et on ne rigole pas avec ça. 400 syndiqués CGT devant les tribunaux suite au mouvement social contre l'abjecte réforme des retraites. Une journaliste d'investigation qui passe 36 heures en garde à vue. Et que dire d'un ministre de l'Intérieur qui prévient, à la veille des rassemblements de ce jour, que quiconque osera dire du mal de la police dans ses slogans sera signalé au procureur. On a déjà vu lors des manifs retraite, des opposants à la réforme être inquiétés à cause de mots écrits ou de caricatures faites sur leurs pancartes, ou d'une banderole apposée sur le muret devant chez eux. C'est quoi cette censure ? Charb, Volinsky, Tignous et tous les autres, au secours ! Quel triste et dangereux destin que celui de cette France, où à 8 ans, en mai 68, je pouvais hurler avec mes parents « CRS, SS » sans être mise au coin. Et où, 55 ans plus tard, je ne peux pas chanter avec ma fille « Tout le monde déteste la police ». Alors oui,
nous communistes de Lyon et de l'Auxerrois. Nous sommes à notre place dans ce rassemblement. Parce que les mots d'ordre qui nous réunissent aujourd'hui sont ceux qui ont toujours guidé notre Amis, chemin. Amis, citoyennes et citoyens, camarades, je tiens à vous apporter le salut fraternel de la libre pensée de Lyon. Nous sommes donc réunis ici devant ce lieu symbolique, le palais de justice de Serres. Nous sommes rassemblés dans tout le pays contre les violences policières, contre les discriminations raciales et pour la justice sociale. Nous sommes encore scandalisés par l'exécution du jeune Naël à Nanterre. Nous sommes tout aussi bouleversés par les images du visage défiguré du jeune Eddy, 21 ans, victime à Marseille d'un tir policier en pleine tête à bout portant. Les médecins ont même dû enlever une partie de son crâne pour le sauver. Parce qu'il marchait dans la rue avec un sweatshirt et une capuche, un des policiers a dit qu'il était habillé genre délinquant. Il y a donc dans ce pays un délit d'habillement, une présomption de dangerosité qui autoriserait les forces du désordre à tirer dans la tête d'un individu à 3 mètres de distance. On peut enfin observer, et c'est très dramatique, une radicalisation de la police. Dans un régime politique qui se dit fondé sur la devise « liberté, égalité, fraternité », la règle devrait s'appliquer à tous les citoyens. Mais voici que la hiérarchie policière revendique que cette règle ne s'applique plus aux forces de l'ordre. C'est même le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, qui l'a revendiqué publiquement le premier. Un policier n'a pas sa place en prison, a-t-il dit, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. C'est ce qu'il disait en juillet. À la tête de 150 000 fonctionnaires de police, Vaux est un haut responsable de l'État. Il sait que sa déclaration est contraire aux principes fondamentaux du droit actuel. C'est véritablement un permis de tuer. C'est tout de suite après lui qu'une autre figure de l'ordre, le préfet de police Laurent Nunez, apporte son soutien à la demande d'un statut policier d'exception. Un statut policier d'exception. Entendre deux chefs de la police demander la libération d'un policier écroué et revendiquer d'être débarrassé de la loi commune, c'est sans précédent. Le ministre de l'Intérieur Darmanin se dit prêt à une réflexion pour exclure les forces de l'ordre du régime de la détention provisoire, c'est-à-dire leur accorder un statut d'exception. En retour, des magistrats font savoir leur inquiétude. La détention provisoire s'impose à tous, y compris aux policiers, a tenu à affirmer le président de la Conférence nationale des procureurs. La crise ouverte entre l'institution judiciaire et l'institution policière, c'est celle de l'État lui-même, dont elles sont des piliers majeurs. Moi, je fais encore sur papier, hein, comme à l'époque de papa et maman. Voilà. La libre pensée poursuivra inlassablement son combat pour la vérité et la justice pour Naël et toutes les victimes des violences policières, pour la réparation pour leurs familles, pour l'arrêt des violences policières d'État et des discriminations raciales, pour l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre, pour le retrait des dispositions liberticides, contre toute forme de censure ou de contrôle des médias, de la liberté d'expression et de critique. Contre toute forme de restriction des libertés fondamentales, quel qu'en soit le prétexte, pour la pleine défense de la liberté syndicale, la défense du droit de grève, la défense sous toutes ses formes du droit syndical, pour la restauration des services publics dans les cités, pour la création de tous les postes nécessaires dans les écoles, les collèges et les lycées, pour le financement de tous les lieux culturels, pour la justice sociale, oui, pour la justice sociale. Mes chers amis, voyons ces ingrédients. Violence policière et loi liberticide, décret scélérat et recours au 49-3, scandale d'État et mise en examen de ministres et de présidents de la République. Tel est l'ADN de ce vieux monde et de la Ve République en pleine décomposition. En mai 1958, le 13 mai plus précisément, la Ve République est née d'un coup d'État initié notamment par un général grand par la taille. La Ve République, c'est une constitution bonapartiste, un véritable coup d'État permanent. Il n'y a qu'une seule solution, rendre la parole et le pouvoir au peuple pour un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est pourquoi la libre pensée agit dès maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour l'élection d'une assemblée constituante libre et souveraine, pour en finir avec les institutions réactionnaires et totalitaires de la Ve République.
C'est pourquoi la libre pensée, écoutez bien, appelle à la tenue de rassemblements, meetings, conférences publiques, manifestations dans tout le pays pour rassembler dans la plus grande diversité tous les partisans de la République laïque, sociale et démocratique dès maintenant. La Constitution de 1793, la plus démocratique que notre pays ait jamais connue, prévoyait que si c'était l'Assemblée nationale qui faisait la loi, c'était les assemblées de sections des citoyens, je dis bien les assemblées de sections des citoyens, qui l'approuvaient. Elle se terminait par une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclamait, article 33, la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Article 34, il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Et article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Souvenons-nous de Simon Bolivar, caramba, le libérateur de l'Amérique du Sud qui proclamait « Quand la tyrannie devient loi, la rébellion est un droit ». La rébellion est un droit. La libre pensée nous propose donc la mobilisation la plus grande dans les mois qui suivent et dans l'union la plus large pour la constituante, pour la République. Voilà. Je vous remercie pour votre patience. Vive la République laïque et sociale. Vive la République universelle des travailleurs. Bonjour. Je viens partager avec vous l'appel de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, contre les violences policières, contre le racisme et contre les discriminations sociales et territoriales. La nouvelle séquence de violences policières consécutive au décès du jeune Naël, tué par un policier à Nanterre, confirme l'impérieuse nécessité d'agir. La mort d'Aloussène à Angoulême, celle de Mohamed à Marseille, tué par un tir de LBD 40, l'éborgnement de son propre cousin, Abdelkarim, les mutilations de Virgile, Mehdi, Nathaniel, Eddy, Jaïl et de tant d'autres jeunes gens dans toute la France génèrent des drames irréparables pour leurs familles et leur entourage. La seule rencontre avec un policier peut aujourd'hui entraîner des abus et violences qui s'intègre à un dispositif politique de contrôle intrinsèquement lié à la situation économique et sociale. Toutes les catégories de la population française peuvent en être victimes. Les violences ont explosé sur les lieux de rassemblement et de manifestation, entravant les possibilités d'expression politique ou festive. L'usage des LBD 40, des grenades explosives et lacrymogènes, et le recours à des forces de police non formées au maintien de l'ordre ont conduit à restreindre démesurément la liberté associative, l'expression collective et le périmètre démocratique. Ce dispositif de contrôle s'exerce plus intensément sur les populations vivant dans les quartiers populaires, qui font face à une précarité économique croissante en raison de l'accélération sans précédent des inégalités et une relégation sociale, territoriale et ethno-culturelle qui se pérennise depuis la fin de la période coloniale. Au surplus, l'exercice continu d'une pression policière liée à la présence de brigades spéciales comme les brigades anticriminalité et les compagnies de sécurisation et d'intervention spécifiquement créées vise à contrôler socialement et sanctionner ces populations, y compris dans leur sphère privée et notamment lors de contrôles au faciès. Phénomène récent, le nombre de personnes tuées au volant de leurs véhicules par armes à feu de policiers connaît une croissance sans précédent en lien avec l'adoption en 2017 de l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure assouplissant les règles en matière d'usage des armes, sans améliorer la sécurité des interventions des agents. Ce texte, imposé par le mouvement de policiers en colère, puis relayé par la grande majorité des syndicats de police, a fait apparaître une relation de dépendance du pouvoir politique
soumis aux desiderata de la corporation policière. La force publique, garante de la paix civile, exerce une pression allant jusqu'à la menace de sédition contre les institutions de la République, avec le soutien du directeur général de la police nationale, du préfet de police de Paris et du ministre de l'Intérieur lui-même, après le placement en détention provisoire de policiers impliqués dans les terribles violences subies par Eddy à Marseille. Les émeutes que le pays a connues sont avant tout l'expression de cette situation, qui reste taboue pour une large partie de la classe politique, alors que de nombreuses voix du monde associatif et syndical ont appelé à revoir les modes d'intervention de la police et à lutter contre le racisme qui s'y manifeste trop souvent. La lourde répression judiciaire exigée notamment par le ministre de la Justice a souligné et réitéré la profonde injustice sociale vécue par les habitantes et les habitants des quartiers populaires dans un contexte d'affaiblissement des médiations locales et des services publics. Alors j'ai un deuxième communiqué à partager avec vous que je vais vous offrir. Donc, n'oublions pas qu'après la mort de Naël, tué à bout portant par un policier et la révolte qui s'en est suivie, plutôt que d'abroger la loi du 28 février 2017 qui assouplit les règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre, laquelle a entraîné la mort de 18 personnes depuis 2021 pour refus d'obtempérer, le ministre de l'Intérieur demande dans une circulaire au préfet d'expulser les familles de délinquants condamnés par la justice. Nous nous élevons contre cette circulaire, car expulser la famille d'une personne déjà condamnée au prétexte qu'elle a commis un délit constitue une atteinte à l'état de droit et une violence sociale inadmissible, porteuse de nouvelles révoltes. Il s'agit d'infliger une double peine, une forme de représailles, de peine collective ou de vengeance à caractère moyenâgeuse, comme le pratiquent encore certains États à l'encontre des familles de leurs opposants. Pourquoi ne pas s'en prendre à toutes les familles des personnes condamnées, comme par exemple Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany ou Jérôme Cahuzac? Alors que la justice peut très bien éloigner du quartier la personne condamnée, cette circulaire vise à satisfaire les plus bas instincts émanant de l'extrême droite. Le trouble de voisinage, dès lors qu'il est reconnu par le juge civil, entraîne l'expulsion du locataire. Il n'y a donc pas lieu de changer la législation, d'autant plus que certains troubles de voisinage sont parfois inventés par des voisins malveillants. Expulser une famille avec enfants aux revenus modestes, comme celle de Deuil-la-Barre, c'est condamner des innocentes et innocents à la rue. Et c'est un acte de violence sociale et de représailles dans le contexte actuel de grave crise du logement. Les signataires de cet appel appellent à manifester aujourd'hui, évidemment, pour la justice sociale et les libertés publiques, mais aussi contre cette nouvelle forme de répression digne de certaines dictatures qui visent et stigmatisent une fois encore les quartiers populaires et leurs habitantes et habitants. Pour la mise en œuvre d'une politique du logement pour toutes et tous, la baisse des loyers et les prix de l'énergie, la réalisation de logements sociaux et une hausse générale des salaires, des pensions et des prestations sociales. Cette année, nous célébrons les 40 ans de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, qui, rappelez-vous, est partie de Marseille à une poignée et arrivée à plusieurs milliers à Paris, plus de 100 000 à l'époque. Je me contenterai de dire le témoignage de Jamel Attaha, qui est président de l'Association historique des anciens marcheurs du 83. Il raconte « Notre marche de 83 est née dans un climat d'extrême violence policière. J'habitais le quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Dans la période 80-83, j'avais alors 20 ans, s'est produite toute une série de meurtres de jeunes maghrébins commis par la police. » On était tirés comme du gibier, à tel point que je me suis demandé si ça n'était pas devenu un sport national. À côté de ça, la justice ne suivait pas.
Des gamins étaient lourdement condamnés pour de petits actes de délinquance pendant que les meurtriers n'étaient pas inquiétés. On avait clairement le sentiment qu'il y avait une justice pour nous et une justice pour eux. Et mon pote, Tommy Jaidia, s'est fait tirer dessus par un policier. On était trois ce jour-là. Ça s'est passé sous mes yeux. Ça aurait pu être moi. Le flic a repris son chien et remonté dans sa voiture. Deux collègues s'y trouvaient. Ils sont partis comme ça, sans se retourner. C'est nous qui avons dû appeler le secours. Ils ont mis près d'une demi-heure à arriver. L'attente était interminable. Alors, l'idée de la marche a germé en nous. Notre marche avait deux objectifs principaux, dénoncer et faire cesser les brutalités policières, acquérir une égalité des droits et une reconnaissance citoyenne. Notre combat pour le vivre ensemble a échoué. La ghettoisation s'est accentuée. Avant, nous étions considérés comme pas vraiment français, comme des gens qui s'incrustaient. Aujourd'hui, c'est pire. On nous considère comme l'ennemi intérieur, la cinquième colonne. Qui sont les responsables de cette situation? Car oui, il y en a. C'est trop facile à dire, les Français sont racistes. En premier lieu, c'est la classe politique qui est responsable, avec une libération des paroles abjectes depuis ces dernières quinzaines d'années. Comment un homme politique peut-il parler d'une partie du peuple en le traitant de racaille? C'est l'équivalent d'un policier qui, dans le quotidien, tutoie un individu. Un dénigrement institutionnel. Puis, les intellectuels, y compris de gauche, se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont créé les conditions d'un racisme pourri, en faisant croire qu'on n'avait pas les mêmes gènes, qu'une partie de la population n'avait pas sa place dans la République. Enfin, une certaine presse a suivi. L'islam est-il soluble dans la démocratie? Le péril, ceci. Ces musulmans, cela. Et les accusations de communautarisme? Ah, la belle affaire! Une association des géomètres, ça n'est pas du communautarisme. Une association de Portugais, ça n'est pas du communautarisme. Par contre, trois Maghrébins se réunissent et on hurle au communautarisme. Résultat, des gamins de 18-20 ans, nés en France, qui ne connaissent rien au pays d'origine de leurs parents, qui n'y sont jamais allés et ne parlent pas la langue, ne se sentent toujours pas aujourd'hui français. C'est terrible. Ça me désole. Depuis 1983. Le choix avait été fait, 100 000 personnes donc en retour, d'une marche pacifique, non violente. 1986, il y a un an, nous diffusions le film Nos frangins à Sens, film qui revenait sur les morts de Malik Oussekine et Mohamed Benaya par la police, lors des manifestations contre la loi de Vaquet. 100 000 personnes manifestaient pacifiquement à Paris. En 2005, Ziad Ebouna meurt sous le mépris de Sarkozy. Des émeutes se déclenchent toutes les nuits pendant 3 semaines. L'état d'urgence est décrété. Certains estiment que la police est depuis militarisée. 1983, 1986, 2005, 2023, selon un graphique publié par Sheila Delestre, 3 juillet 2023, le nombre de morts est en hausse constante. Il passe de 10 en 2010 à 39 en 2022, avec un record de décès qui a été enregistré en 2021, avec 52 morts. Amnesty International enquête sur ces pratiques policières abusives ou illégales. La plupart de ces recommandations n'ont pas été écoutées. Les familles sont tête de lance des mobilisations citoyennes au sein de nombreux collectifs. Loin d'être un point d'appui pour la vérité et la justice, elles sont au mieux méprisées, au pire et le plus souvent réprimées. Depuis toujours, ces quartiers discriminés n'existent et ne comptent qu'à travers le prisme du délit, de la violence, tant au niveau politique que médiatique. Rien de ce qui est beau, solidarité, créativité, n'est mis en avant. Une assignation, une fatalité entretenue à être dans les trafics, ou au mieux, les rap, le football. Une porte fermée à l'égalité des droits et de traitement. Or, rien ne se fera en la matière
en matière de lutte contre le racisme systémique et contre les violences policières sans les personnes concernées, et en premier lieu sans les familles et sans les collectifs. Et évidemment, le MRAP, qui a signé l'appel national, partage aussi les conclusions de la LDH en ce qui concerne les pratiques financières, mais nous demandons en urgence que les familles et les collectifs des victimes des violences policières soient reçues, et non seulement soient reçues, soient entendues et fassent partie, à partir de leur propre expertise, de la solution. Rien ne changera sans cela. J'ai entendu l'appel de la libre pensée. Je rajouterai tout simplement, pour faire lien avec ce que je viens de dire, que peut-être devons-nous, nous aussi, réfléchir à nos propres moyens d'action pour être présents dans ces quartiers délaissés. Parce que, je le répète, rien ne se fera sans eux. Or, force est de constater qu'on nous sommes un peu trop encore dans notre toit, dans notre soi. Donc, imaginons des formes d'action pour construire avec les gens experts, je vais dire, des solutions auxquelles ils participent pleinement. Le 27 juin 2023, Naël, 17 ans, est mort abattu par un policier. Depuis cet événement atroce, aucun acte politique n'a été posé pour répondre aux problèmes qui se dressent face à nous. Comment un jeune de 17 ans peut-il être exécuté par un policier en République française? Pourquoi 17 personnes ont-elles trouvé la mort depuis un an et demi en France pour des refus d'obtempérer, alors qu'il n'y en a eu qu'un seul en Allemagne en 10 ans? Combien de Naël n'ont pas été filmés? Depuis ce meurtre, des jeunes ont encore été éborgnés, mutilés, plongés dans le coma, et un millier d'autres condamnés, dont l'un à 10 mois de prison pour le vol d'une canette. Depuis la loi Cazeneuve de 2017, qui a en quelque sorte rétabli la peine de mort, abolie depuis 42 ans en France, les morts pour refus d'obtempérer ont explosé. Depuis 2017, 5 fois plus de personnes dans des véhicules en mouvement ont été tuées par des tirs policiers. Entre 2002 et 2017, il y avait en moyenne une personne tuée par an pour refus d'obtempérer. En 2021, ce sont 4 personnes pour refus d'obtempérer. En 2022, 13. L'impunité policière détruit la République. Car dans un pays où les jeunes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler, le contrôle au faciès apprend 10, 11 ans, 12 ans aux enfants de la République qu'ils seraient des corps étrangers à notre pays. Refondre la police sur un mandat républicain, tourné vers les besoins de la population et des méthodes d'intervention de désescalade est la seule solution à même de renforcer le service public de la sûreté. Il faut refonder la police de la cave au grenier, créer une commission vérité et justice sur les violences policières ayant entraîné la mort ou la mutilation pour en établir toute la responsabilité. Renforcer la formation pour adapter les méthodes de la police aux besoins de la population. Évaluer la politique du chiffre et les effectifs, le lien aux citoyens, en instaurant une police de proximité pour réinvestir ce service public. Mettre en place le récépissé de contrôle d'identité pour attaquer le racisme à la racine. Réformer l'IGPN pour assurer le contrôle de la police par une instance vraiment indépendante. Et rétablir le code de déontologie de 1986. Enfin, abroger immédiatement les dispositions permis de tuer de la loi Cazeneuve de 2017, responsable de l'explosion des décès suite à des refus d'obtempérer. Le racisme dans la police, que l'ONU qualifie de systémique, est un poison distillé par ceux qui tentent de nous exclure de leur arc républicain. Le racisme dans notre société a pour seule fonction de diviser, de fracturer le peuple. La République est en danger et nous en sommes les gardiens. Je pense que je ne trahirai personne en vous remerciant tous d'avoir fait l'effort de vous être déplacés ce soir au nom de tous les organisateurs et signataires de l'appel. Merci encore.